dal bambur kaw reiso si developer web e mobile a bateli. Bateli, je l'ai connu lorsqu'ils avaient lancé leur campagne de recrutement à UCAD 2. Après, j'ai fait le test et j'ai intégré Bateli. J'ai choisi la formation Bateli parce que j'ai opté une formation 100% pratique. Et Bateli nous offre cette opportunité parce qu'ici à Bateli, la formation c'est 100% pratique. On pratique dans cette façon. J'ai appris énormément de choses à Bateli. Je peux dire presque tout en ce qui concerne le développement web. Parce qu'au début, je n'avais pas commencé ma formation en développement web. C'est avec une autre formation. Après, j'ai intégré Bateli. C'est ici que j'ai commencé à développer. Donc, je peux dire que j'ai tout appris ici à Bateli. J'ai réalisé pas mal de choses ici à Bateli et j'ai appris aussi pas mal de choses, surtout sur le framework Laravel. Sur ça, j'ai appris, j'ai même fait des projets avec, des vrais projets avec le framework Laravel. Ouais. Une très grande différence parce que la formation antérieure que j'avais faisait, c'était pratiquement de la théorie. Et ici à Bateli, la formation c'est 100% en pratique. Pour les coachs, je dirais génial, parce qu'ils sont toujours là à nous accompagner, à nous donner des soucis. À chaque fois qu'il y a blocage, d'abord ils te laissent faire des recherches. Si ça ne bouge pas, ils viennent de te donner une certaine solution. Je dirais, si vous faire une formation 100% pratiquement pratique, n'ont qu'à venir à Bateli, parce qu'ici à Bateli, la formation c'est pratique. Et si vous aussi développer un esprit d'entrepreneur, vous pouvez venir ici à Bateli, parce qu'on vous pousse aussi à faire ce genre de choses. La formation à distance, disons, un peu difficile du fait qu'il y a un problème de connexion parce qu'on est ici au Sénégal, on sait tous que la connexion c'est pas assez stable. Je remercie toute l'équipe de Bateli et plus particulièrement à mon coach et à tous les coachs qui sont toujours là à nous donner des soucis à chaque fois qu'il y a blocage. Et je te remercie toi aussi.